Obrigada a todos. Vamos passar agora para o hino nacional da República Democrática do Congo. Retour sur le parcours de nos Willy Hopard Box, hommes et dames, partis à la conquête des championnats d'Afrique de boxe à Maputo en septembre 2022. Commençons par le médaillé d'or des poids 80 kg, Pita Kabeji. En quart de finale, il affronte le Mozambicain Octavio Dudevitre, chaleureusement soutenu par son public. En deux minutes, Pita Kabeji inflige au Mozambicain une magistrale correction dès le premier round. En moins de 50 secondes, Dudevitre est compté trois fois par l'arbitre qui arrête le combat. Le lendemain, voici Pita Kabeji en demi-finale. Face à lui, un adversaire qu'il connaît déjà, l'Égyptien Abdel Gawad, qui a battu le Congolais en 2019 dans la finale des Jeux africains. Cette fois, c'est Pita Kabeji qui mène le combat. Au deuxième round, le Congolais est blessé à l'arcade et le docteur doit intervenir à deux reprises. Mais au terme des trois rounds, le Congolais est déclaré vainqueur. En finale, Pita Kabeji affronte le redoutable Marocain Mohamed Assaghir, qui a déjà battu le Congolais aux qualifications olympiques à Dakar en 2020. Pita Kabeji arrive sur le ring avec l'œil gauche fermé suite à sa blessure, et ça ne présage rien de bon. Pourtant, Pita Kabeji emporte le premier round et inflige même un compte au boxeur marocain. Dans le deuxième round, le médecin doit intervenir pour soigner l'arcade du Congolais, mais le combat n'est pas interrompu. Pita Kabeji va tenir bon jusqu'à la fin du troisième round et le verdict des juges est unanime. Il est déclaré vainqueur du combat et sacré champion d'Afrique 2022. Poursuivons maintenant avec le médaillé d'or des poids 75 kg, David Chama. On espérait beaucoup du boxeur qualifié pour les Jeux de Tokyo, où il avait été le premier Congolais à remporter un combat aux Jeux Olympiques depuis 33 ans. Le tirage au sort ne lui a pas été favorable. En quart de finale des 75 kg, il affronte le grand favori de la catégorie, l'Algérien Younes Nemouchi, qui avait battu le Congolais en finale à Dakar en 2020. David Chama remporte le combat par décision partagée et passe en demi-finale. En demi-finale, David Chama affronte le Sud-Africain Simnikiwe Bonko. Le combat est brutal et l'arbitre interviendra à de nombreuses reprises pour sanctionner la boxe irrégulière du Sud-Africain. C'est sans surprise que les juges déclarent Chama vainqueur sur décision unanime. Chama accède à la finale où il rencontre le Marocain Driss Garoumi qui a brillamment remporté ses combats précédents. Dans cette finale, Chama a affaire à un boxeur agile et rapide qui le domine en taille et en allonge. Chama compense par l'agressivité et à la fin du premier round, les juges donnent un léger avantage aux Congolais, comme en témoigne le tableau suivant. La tendance s'inverse au deuxième round. Les juges l'accordent cette fois aux Marocains, mais Chama dispose encore d'un petit point d'avance. Le troisième round est confus, avec de fréquents accrochages, mais le verdict tombe enfin. David Chama est sacré champion d'Afrique et ramène au pays la médaille d'or des poids moyens 75 kg. Brigitte Mbabi est incontestablement la révélation de cette compétition. Personne ne mise sur les chances de médaille de la jeune Brigitte. Cette fois, elle arrive galvanisée à Maputo. En quart de finale, Brigitte Mbabi bat sèchement la Guinéenne Assaitou Keita par arrêt de l'arbitre au deuxième round. Brigitte Mbabi enchaîne en demi-finale avec une victoire par arrêt d'arbitre au premier round face à la Seychelloise Ariana Kelly Mimi. Le combat n'aura duré que 9 secondes. En finale, c'est plus compliqué. Elle affronte la Mozambicaine Alcinga Pangwane, vice-championne du monde à Istanbul en 2022. Le combat ira à son terme et la Mozambicaine gagne au point la finale. Brigitte Mbabi ramène au pays la médaille d'argent des dames 70 kg. Belle performance pour Marcela Sakobi, la championne d'Afrique 2017 qui remporte cette fois la médaille d'argent des dames 57 kg. Marcela Sakobi est la première des léopards à monter sur le ring de ces championnats d'Afrique à Maputo.
En quart de finale, elle affronte la Mozambicaine Benilde Makaringwe, qu'elle bat au point par décision unanime du jury. En demi-finale, elle croise les gants avec la Zambienne Juliana Kasonka et elle est déclarée gagnante à l'unanimité des juges. En finale, elle s'incline par décision partagée face à Kenosi du Botswana. Marcela Sakobi ramène au pays la médaille d'argent des dames 57 kg. Le Congolais Dimuntu Chapito remporte une jolie médaille d'argent continentale dans la catégorie des poids 92 kg. Il débute en demi-finale et gagne le combat par décision partagée face à l'Égyptien El Salamoni. En finale, il s'incline au point face au Camerounais Paul Donatien Konde et ramène au pays la médaille d'argent des poids 92 kg. Signalons également la médaille de bronze pour Matete Landry Ballo qui s'incline en demi-finale des 86 kg face au Camerounais Haruna Ntosenge. Une médaille de bronze également pour Kanjinga Kambala Selavie, qui était battue au premier round par la géante marocaine Khadija El Mardi en dame super lourde de plus de 81 kg. Et enfin, la médaille de bronze pour Naomi Thérèse Yumba, qui a perdu la demi-finale face à l'Algérienne Iman Khelif, vice-championne du monde à Istanbul en 2022.